pour toutes ces, n'est-ce pas, belles choses qu'il nous donne à vivre. Et nous voulons aussi vous encourager en même temps à continuer à appeler. Et quoi que, quelle que soit la personne que vous avez au bout de fil, sachez que l'Esprit de Dieu peut, n'est-ce pas, s'en servir, peut se servir de cette personne pour vous guérir, pour vous encourager, pour vous fortifier. Donc, il ne faudrait surtout pas nous focaliser sur une seule personne parce que Dieu, n'est-ce pas, a un corps qui est composé de plusieurs membres. En tout cas, que le Seigneur soit béni pour, n'est-ce pas, vos coups de fil parce que nous sommes beaucoup encouragés. J'étais tout à l'heure au bureau, j'ai reçu beaucoup de coups de fil des frères et sœurs de partout, des États-Unis, pour témoigner également de ce que Dieu fait dans leur vie, du Canada. Et notamment cette femme qui a appelé, cette femme dont le mari, qui est pasteur, n'est-ce pas, va avec plusieurs femmes et ce soir soit encouragée. C'est pas facile, nous sommes dans des temps, dans un temps très critique et nous sommes vraiment dans les derniers temps. Et chacun doit s'attacher au Seigneur parce que, n'est-ce pas, l'ennemi, n'est-ce pas, est debout pour faire tomber beaucoup de chrétiens. Que le Seigneur soit béni en tout cas, soyez encouragés. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette soirée. Sois le maître de toutes choses. Nous te confions nos cœurs, nos pensées, nos émotions, nos sentiments. Nous voulons te voir élevé, Père très saint. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Merci pour tes enfants qui sont, Seigneur, connectés ce soir. Et merci également pour toutes ces personnes, Seigneur, qui se servent de ces émissions pour diffuser massivement ta parole et que ton nom soit glorifié au nom de Yeshua. Nous te prions, Dieu d'Israël. Amen. Voilà, bonsoir tout le monde. Gloire à Dieu. Alors, Yann, on commence déjà par cette belle surprise que tu nous as, que tu m'as faite ce soir, hein. Amen. Donc, voilà, est-ce que tu peux nous présenter un peu? Ouais. En fait, on parlait par rapport à la soirée en fait, du 19 décembre prochain, d'accord. La veillée. Je ne sais pas, David, on va essayer de déployer. Voilà. Je ne sais pas si voilà, on va bien zoomer pour que les frères et sœurs. Donc voilà, donc on aura des t-shirts. Alors bien évidemment, le message, c'est 100% la gratuité au niveau de la parole. Donc Jésus, c'est 100% gratuit. Ce n'est pas 99% ou 1% ou 50%. C'est la totalité. Donc voilà, donc on a fait des logos. Et donc on va faire aussi des t-shirts qu'on va floquer comme ça. Et en tout cas, ceux qui distribueront les Bibles, qu'on distribuera bien sûr gratuitement le 19, porteront en fait ces t-shirts-là. D'accord, parfait. Donc ce t-shirt que les frères et sœurs vont porter le 19 décembre pour... voilà, diffuser. Donc, on va essayer de zoomer aussi avec l'autre caméra, si c'est possible. Donc, voilà. Ça, c'est le dos. TV de vie. Et puis devant. Jésus 100% gratuit. Hein? Donc, C'est une offre illimitée. Offre illimitée. Voilà. Matthieu 10, 8. Voilà. Donc, que Dieu soit béni. Alors, Yann, on va en faire combien de comme ça? Je sais pas. On va essayer d'en faire un petit peu parce qu'on sait, on va essayer d'avoir du rab aussi surtout parce que je pense que les gens vont nous en demander. Certainement. Donc, pour avoir évité d'enlever ce qu'on aura nous-mêmes pour les donner aux gens, d'accord. On va essayer d'en faire un peu plus. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur est bon en tout cas. Et voilà, donc la deuxième chose que nous voulons vous présenter, vous savez que nous sommes sur le projet de la Bible. Et de la révision, donc les choses avancent. On va avoir de plus en plus d'informations, hein, avec David. Où en est-on? Alors, bonsoir. Donc, on en est à. Eh bien, on a rencontré un nouveau fournisseur, un nouveau imprimeur qui imprime à l'étranger, qui est spécialisé dans la Bible, dans les ouvrages entre guillemets religieux, et qui produit beaucoup de Bibles pour plus de 30 pays. Et donc il est venu ici dans les locaux hier. On a pu discuter avec lui, il nous a montré un peu tout ce qu'il pouvait faire avec un grammage de pages comme la Bible, hein, comme on peut avoir dans la Scofield et autres versions. Et donc il nous a donc présenté tout cela. On attend maintenant l'étude du devis. Donc il nous a laissé un échantillon et de ce qu'ils font. Et donc ça, c'est le deuxième échantillon de Bible, hein, que nous avons. Voilà, à notre possession. Et je trouve que cet échantillon est mieux Tout que à fait. celui qu'on a présenté Exactement. la dernière fois aux frères et sœurs. Tout à fait. Et c'est bien fini en tout cas. Alors on va juste zoomer, c'est possible, frère. Voilà, donc c'est un peu flou. Donc, je ne sais pas si on peut pas avec l'autre caméra. Donc on va essayer de nous aider un peu là. Voilà, l'équipe technique. Merci. On va aller sur l'autre caméra, voilà.
Donc, ouais, c'est de se rapprocher encore, 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 encore. Voilà. On a du matos pour cela, gloire à Dieu. Voilà. Donc, et c'est encore beaucoup mieux. Voilà. Regardez. Voilà. Merci, Yann. Donc, ça va être une Bible comme ça, certainement, avec deux marque-pages. Hein. Mm-hmm, tout à fait. Deux. Hein, donc, ouais. Deux marque-pages, oui. Donc, on va essayer de l'ouvrir un peu en même temps. Voilà. C'est joli, hein? Avec un grammage donc inférieur à ce qu'on nous avait proposé. C'était du 60. Là, on a vraiment le choix. Donc, ce sera forcément un peu moins épais que prévu. D'accord. Donc, là, il y aura... On mettra des cartes ici, là. Oui. Des cartes voilà, en couleur. Hein, mm-hmm. Que Yann est en train de finaliser. Donc, il y aura combien de cartes? 12 cartes en tout. Voilà. Donc... voilà, il y aura des cartes comme ça en couleur. Et donc, ça va être en tout cas une bonne Bible à la gloire du Seigneur. Donc, et puis, il y a. Alors, voilà, les cartes seront comme ça. Il y aura des cartes comme ça, là encore, l'équipe, merci. Alors, voilà, il y aura 12 cartes comme ça, c'est ça? 12 cartes comme ça en couleur. Hein, et puis deux marque-pages aussi, donc normalement, comme ça, là. Voilà. Et puis vous avez vu, la couverture, elle est très, très souple. Et puis on a gravé pas mal de lettres, pas mal de choses dessus. Donc tout au long de cette couverture, on va graver les différents noms de Jésus-Christ. Mmh. Hein, le lion, l'agneau, l'époux, et tout ça, le chemin, la vérité, partout comme ça. N'est-ce pas? Donc voilà, donc c'est encore une Bible qui est largement, qui est mieux que celle qu'on a présentée la dernière fois. Voilà, frères, nous sommes en train de nous organiser pour que vous ayez donc chacun sa Bible et que surtout le nom du Seigneur soit glorifié, n'est-ce pas? Donc voilà. Et puis on va envoyer deux missionnaires logiquement en Finlande parce que c'est là que se trouve cette imprimerie. Tout à fait. Pour donc le mois de septembre, c'est là qu'on va commander les 10 000 exemplaires. Tout à fait. Logiquement. Voilà. Donc et en 3 jours on sera livré. Mm-hmm. Et donc on sera livré logiquement avant le 10 novembre. Mm-hmm. Hein? Exactement. Donc voilà, avant le 10 novembre, on aura les 10 000 exemplaires. Donc on va les coffrer, les cacher quelque part. Voilà. Et en attendant le 19 décembre, n'est-ce pas, 2014, donc à la fin de l'année, et on aura, comme vous le savez, cette nuit d'action de grâce à partir de 18h30. Mais vous avez plutôt intérêt à être là avant, parce que je ne vous cache pas que les 2500 places seront occupées rapidement. Et quoique ils sont en train d'agrandir cette salle, mais je pense quand même qu'on va être complètement débordé. Et voilà, donc ceux qui nous suivent depuis les États-Unis, le Canada, l'étranger, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, l'île Maurice, l'île de Madagascar, l'île Maurice, tout ça, et l'île de la Réunion également, et plein d'autres pays. Donc vous êtes invités à prier pour nous, et aussi nous vous invitons à ce programme. Donc voilà, nous savons qu'il y aura des délégations qui viendront de partout. Et alors il y en a qui se disent, mais frère, nous allons venir de loin, est-ce que ce sera seulement... il y aura seulement une soirée. Non, vous inquiétez pas, parce qu'après ce programme, après le 19 et la semaine qui va suivre, parce que le 19 c'est un vendredi, donc le 20 c'est un samedi, le 21 dimanche, à partir du 22, toute la semaine du 22, n'est-ce pas, il y aura une formation d'Idasco avec plusieurs classes, n'est-ce pas? Et donc, il n'y a pas de souci. Donc, on va avoir toute une semaine après d'enseignement, de formation, et notamment sur l'histoire biblique également, et le pourquoi aussi de cette Bible. Voilà. Alors, le 19 en question, donc nous allons également, si tout va bien, vous présenter aussi un reportage sur l'ensemble des œuvres que le Seigneur nous donne à faire. Et aussi bien avec le pain quotidien et la mission et la formation avec Didasco, le journal Les Documents et TV Radio de Vie, tout ça et plein d'autres choses que le Seigneur opère afin que vous sachiez un peu ce qui se passe, que vous soyez au courant de tout ce que le Seigneur fait
n'est-ce pas? Donc sachez que nous sommes appelés à cela, donc témoigner des œuvres du Seigneur. Alors nous vous avons parlé d'une surprise ce soir, donc la raison pour laquelle vous êtes aussi nombreux à vous connecter. Alors vous allez nous dire, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter? Ben, la surprise, Jésus-Christ revient bientôt, ça c'est sûr. Jésus-Christ, il revient à grande vitesse précisément, donc parce qu'il revient bientôt, c'est pas la bonne traduction. Donc dans la Bible de Jésus-Christ, nous avons mis il revient à grande vitesse. Voilà, c'est exactement ce que le Seigneur a dit. Et voilà, donc la surprise, ben voilà, donc David, je crois que l'équipe technique est prête. Alors est-ce qu'on peut balancer l'image afin que les frères et sœurs accèdent enfin à la surprise, à la surprise du Seigneur. Voilà. C'est quoi ça encore? Ok, parfait. Merci Seigneur. Voilà, donc j'espère que vous avez bien entendu la notaire hein, qui disait que vous êtes désormais propriétaire. Voilà, donc pareil, on va zoomer ici. Et Mike, s'il te plaît, la caméra est beaucoup plus nette. L'équipe technique, on est déjà dessus. Voilà. Et je ne sais pas, il y a trop de lumière, trop de clarté, là, trop de... On va pas bien. Voilà. Donc vous avez bien lu notaire. Hein? Voilà. Donc maintenant, on va vous montrer donc les documents. Ça, c'est l'assurance des locaux. Et l'image est trop. Voilà. L'attestation d'assurance pour les locaux qui portent le nom de ANJC Productions, hein, donc les locaux sont achetés au nom de l'ANJC Productions, et qui est une, en fait, c'est une association qu'on a créée pour produire les œuvres, n'est-ce pas, chrétiennes, et aussi bien TV, Radio de Vie, et le journal Les Documents, et voilà, donc. Et là, David, c'est quoi? C'est l'attestation. C'est l'attestation, voilà, qui reprend les éléments principaux de la vente, avec les différents lots, hein, car on a aussi des parkings. Voilà. Donc, vous voyez bien, frères et sœurs, vous-même, que les 200 000 euros que vous avez donnés pour l'achat des locaux de TV Radio de Vie et pour le centre de formation d'IDASCO sont bien utilisés. Et nous venons, donc, c'était aujourd'hui, hein, David. Hein, cet après-midi, oui. Cet après-midi, donc, David vient de signer, n'est-ce pas, l'acte de vente.
Et vous avez bien vu que c'est au nom de l'ANJC Productions, ce n'est pas au nom de Chora, n'est-ce pas? Ou au nom de quelqu'un d'autre, c'est au nom de l'ANJC Productions. Et Chora n'est même pas le président de cette association. Donc voilà, et c'est David Nabé qui est parti signer aujourd'hui. Merci Seigneur. Donc vous voyez, l'acte de vente, l'attestation de vente, n'est-ce pas? Donc il y a plein d'autres documents, donc on ne va pas tout vous montrer. Et voilà la surprise, frères et sœurs. On vous a promis, on vous a parlé de cette vision. Et voilà, donc l'équipe technique, on vous a parlé de cette vision et le Seigneur vient d'honorer hein, donc, sa parole, voilà, sa promesse. Et que le Seigneur soit glorifié, soit béni, soit magnifié. Et voilà, donc nous sommes propriétaires de nos locaux. Nous n'avons pas eu besoin de prendre un crédit, n'est-ce pas, sans la dîme, sans mettre la pression sur les frères et sœurs. Voilà, en un an, on est propriétaire de ce locaux que Dieu nous a donné, que Dieu nous a offert pour faire son œuvre, frères et sœurs. Il n'y a que Dieu qui peut faire de telles choses. Et c'est des locaux où il y a des salles de classe. Il y a des bureaux pour recevoir les frères et sœurs. Il y a les locaux de TV et Radio de Vie. Il y a également une salle de baptême. Hein. Il y a des WC pour les femmes et d'autres des WC pour les hommes. Vous voyez, frères et sœurs, Dieu fait son œuvre. Et j'insiste, sans la dîme. Honnêtement, il y a de quoi donner toute la gloire, hein, toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à Dieu. Alors, David, toi qui es parti signer, qu'est-ce que tu ressens un peu là? On était très de la joie. Amen. Vraiment que de la joie tout le long de la signature. C'était vraiment très long. Mm-hmm. Et voilà, c'est vraiment bon, malgré les difficultés qu'on a rencontrées avec la mairie qui refusait de signer pendant quelques temps. Mm-hmm. Et ben enfin, c'était fait. On était vraiment très contents. Même le notaire a dit « Enfin, c'est fait, monsieur Nabé, c'est bon. » Après tout ce temps-là. Mais non, on est heureux. On est vraiment fiers de Jésus. Fiers de ce qu'il fait. On ne saisit vraiment pas comment il fait les choses, mais en tout cas, on le suit. Mm-hmm. On le suit. Et c'est ça qui compte. Il y a ce passage dans Ecclésiaste que j'aime beaucoup qui dit que de la même manière qu'on ne sait pas comment les os se forment dans le ventre de la femme, mm-hmm. on ne comprend pas non plus l'œuvre de Dieu. C'est ça. Et on est tellement émerveillé par ce qu'il fait. Mm-hmm. Et non, je suis fier de mon père. Vraiment, il est bon. On peut l'acclamer, voilà. Alléluia. Il est dit, frères et sœurs, il est dit dans Psaume 126. Et voilà cette parole que je viens d'avoir à cœur. Quand l'Éternel, quand Yahweh ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Vous voyez? Quand Yahweh ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. D'accord? Cette parole-là d'abord, nous sommes dans Actes chapitre 12. Actes chapitre 12, verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Voyez? Donc, ça veut dire quoi? Quand Dieu agit, quand Dieu opère, nous avons tendance à croire que c'est un rêve, que ce n'est pas la réalité. Frères, sœurs, des voix s'étaient levées pour combattre ce ministère, pour combattre ce message. Le message qui dit que la dîme, c'est la loi. On n'a pas besoin de la dîme pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Que les frères et sœurs sont libres, doivent donner librement. On nous a traité de tout le nom, sorcier, antéchrist, tout ce que vous voulez. On a fait des vidéos pour dire non, c'est depuis qu'ils ont interdit la dîme aux gens, nos églises en sont endettées. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, en un an, Dieu nous a donné la preuve qu'il n'est pas limité, n'est-ce pas, à la dîme. Que la dîme n'est pas Dieu. Que Dieu n'est pas limité par un dixième. Il est Dieu et il soutient son œuvre. Et
La parole dit que l'Esprit de Dieu, le Seigneur marchait avec eux et accompagnait la parole par les signes, par les œuvres. Frères et sœurs, cette vidéo est faite pour donner gloire au Seigneur, premièrement, et deuxièmement, pour encourager tous ceux qui défendent la saine doctrine, la vérité, pour qu'ils comprennent que Dieu soutient son œuvre. Et le défi maintenant est lancé à tous ceux qui disent que sans la dîme, ils ne peuvent pas faire leur ministère. Eh bien, vous qui prenez la dîme, vous qui enseignez la dîme, eh bien, mes amis, montrez-nous aussi les œuvres que Dieu fait avec vous. Voyez, il ne faut pas mentir aux frères et sœurs. Il ne faut pas limiter notre Dieu par l'argent. Dieu est au-dessus de tout ça. Donc vraiment, que toute la gloire lui soit rendue, parce que pendant des mois et des mois, nous vous avons parlé de cet achat. Et on a tenté la signature. La mairie d'Evry ne voulait pas dans un premier temps signer. Nous avons dû attendre longtemps, prier. Et ils ont fini par céder, n'est-ce pas? Et parce que c'est une vision qui vient du Seigneur. Donc désormais, ce lieu, mes amis, est un lieu pour votre formation et pour TV Radio de Vie, comme vous le savez. Donc que le Seigneur soit béni. Et d'ici la fin de l'année, nous allons arrêter le programme de réveil et, ici à Évry pour aller ici et là. Et nous allons nous organiser dans ces locaux de TV de Vie pour, n'est-ce pas, bien diffuser la parole au travers de ces médias que Dieu nous a donnés. Encore merci. Merci d'abord au Seigneur pour son soutien. Merci aux frères et sœurs qui ont fait des dons. Nous avons reçu des dons de 40 000 euros, un chèque de 40 000 euros. Des dons, une femme a donné 10 000 euros. Une autre femme a donné 15 000 euros. Et un frère a donné un chèque de 7 000 euros. Et je sais que vous suivez TV de Vie. Aujourd'hui, vous avez la preuve que votre argent est bien utilisé. Et cet argent n'est pas parti dans ma poche. Vous avez vu, les documents officiels sont là. Les locaux qu'on devait acheter, sont acquis. Et ce sont vos locaux à vous. Hein? Donc, voilà. Donc, c'est un héritage qui va rester pour des générations qui vont, venir après nous si le Seigneur ne revient pas, pour continuer à faire avancer l'œuvre du Seigneur dans toute l'Europe, ici notamment en France. Et voilà, frères et sœurs, et le Seigneur travaille, le Seigneur nous encourage, le Seigneur agit, et nous sommes vraiment, vraiment encouragés, fortifiés. Et ce ne sont pas des locaux, bien sûr, pour une église, croyez-moi. Donc, il n'y a pas une église là-dedans. C'est des locaux pour TV Radio de Vie, pour le centre de formation Didasco. Et nous avons maintenant de quoi, frères et sœurs, enseigner les frères et sœurs tranquillement. Nous n'avons plus, la pression, on n'aura pas la pression d'un propriétaire, n'est-ce pas? Donc ça, c'est réglé. Le Seigneur est bon. Et les finances que le Seigneur va nous donner ne vont plus être utilisées pour enrichir les païens, les propriétaires païens. C'est vraiment pour la mission, pour les veuves, les étrangers, les orphelins, pour... Également, comme vous le savez, éditer des livres. Parce qu'après les 10 000 exemplaires que nous allons sortir, on va en sortir plein et plein d'autres, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Oh, Dieu est magnifique, frères et sœurs. Avez-vous quelque chose à dire là-dessus par rapport à cet achat? Vous qui êtes là avec nous, tout ça. Donc, dans la liberté. Bonsoir à tous. C'est vraiment comme le passage qu'on a lu, en fait. On a l'impression qu'on rêve, en fait, et... Quand on voit tout ce que le Seigneur fait en peu de temps, en fait, déjà, on voit aussi que le Seigneur est pressé, en fait. Il n'a plus de temps à perdre. Il y a des gens qui ont soif. Il y a des gens qui veulent se faire former. Et en fait, c'est vraiment, en fait, chacun met la main à la pâte, comme on dit, en fait. Et je bénis le Seigneur parce que je sais qu'au travers de ces locaux, en fait, des frères viendront du monde entier. Pour se faire former, en fait, pour recevoir les bases. Et ensuite, ils iront faire des disciples là où le Seigneur les établira. Et je ne peux que glorifier le Seigneur. C'est magnifique. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Voilà, Dieu est grand, en tout cas. Et Yann, encouragé. On est dans un rêve. Hein. On a vraiment l'impression que c'est vraiment fou. Et y a aussi la fidélité de Dieu. Mm-hmm. Quand Dieu parle, c'est vrai qu'au début, ça nous semble irréel, ça nous semble un objectif impossible à atteindre, et on y est. On y est. On y est. Et David, ces locaux nous ont coûté exactement combien? Parce qu'on a eu en tout 200 000, c'est ça? On a eu en tout, pour les locaux, 200 000, oui, c'est ça. 200 000, d'accord. Donc, ils ont coûté 192, pratiquement 193, avec les frais de notaire, plus
plus la partie qu'on avait dit pour aménager. D'accord. Voilà. Ok. Donc, il reste 1900. Il reste, oui. Donc, voilà. Après les calculs avec le notaire et le propriétaire, avec la caution qu'on avait laissée, la taxe foncière, bon, je passe les détails. Il nous a rendu donc un chèque de 1900 euros. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Donc, qu'on va devoir verser à la copropriété. Pour voilà. Les fonds de roulement. Pour les fonds de roulement, voilà. En tout cas, que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. Donc, vous voyez, Chora n'a pas récupéré un euro de cet argent. Hein. David était témoin. L'argent Rien qui a été tout. Donné pour les locaux. Rien du voilà. tout. Voilà. Parce que je sais que les oreilles sont bien grandement ouvertes pour... voilà. Donc, c'est pour cela que nous avons voulu que David seul aille signer. Comme ça, donc comme ça, les choses sont claires. Voilà. Donc, que Dieu soit béni pour son œuvre. Et je tiens aussi quand même à dire merci au Seigneur et également pour ta vie, hein, David, ainsi que les frères qui sont qui ont travaillé par rapport à cet achat, parce que j'ai vu comment vous êtes tracassés nuit et jour dans les démarches, tout ça. Et honnêtement, personnellement, je suis encouragé, voilà, au travail de toutes ces œuvres. En tout cas, que le Seigneur soit béni, c'est une belle surprise, frères et sœurs. Donc, vous voyez qu'à chaque fois qu'on vous présente une vision, voilà, donc le Seigneur soutient et vous êtes encouragés. Nous sommes tous encouragés parce que par la grâce du Seigneur, nous avons pu accomplir cette vision. Donc, ce n'est que le début de ce que le Seigneur nous demande à faire. Voilà. Donc, le deuxième projet, donc, c'est la Bible maintenant. Donc, on est dessus. Et David, tu nous as déjà dit le prix qu'il y a, combien on a sur le compte par rapport à la Bible ? Alors non, pas sur cette émission en tout cas. D'accord. Mais actuellement, on en est à 61 600 euros. 61 600 euros. Voilà. Voilà. Pour la Bible. Donc, il reste combien à peu près ? Alors, on attend le deuxième devis, mais concrètement, si on se base sur le premier, il nous manquerait 34 000 euros. D'accord. 33 400. Ok, 33 400, si on se base sur le premier devis qu'on a reçu. Voilà. Donc, je pense que d'ici septembre, d'ici là, on aura cet argent largement. Voilà, que le Seigneur soit béni en tout cas. Et les sœurs, vous avez quelque chose à dire, non ? Pas du tout ? Pas du tout. Donc voilà, pour vous, la jeunesse également, si jamais vous voulez être en retraite, hein, donc vous avez également un espace, des locaux. Donc je crois que nous avons quelqu'un en ligne qui veut certainement donner gloire au Seigneur. Voilà, donc le Seigneur est bon. Alors juste avant qu'on prenne la personne, tu sais, hier, quel jour ? Il y avait une émission avec la jeunesse et puis tu as dit à une personne... bon, on ira, elle proposait de louer une salle gratuitement, un message. Bon, sache que depuis, ça n'a pas arrêté. Donc, une personne en Suisse qui a appelé, qui est prêt à louer des salles. Waouh. Voilà, il y a une personne à Nantes qui cède sa propriété. À Nantes. Enfin, un peu en dessous de Nantes, la province, là. Ah ouais, on va l'appeler, ce monsieur. Voilà. Voilà, ça n'arrête pas les coups de fil, c'est terrible. Les personnes se plaignent parce qu'on n'a qu'une ligne ici. Du coup, quand ils appellent, c'est tout le temps occupé. Ben, on va devoir mettre au moins trois lignes. Hein. Ben, il va falloir augmenter, effectivement. On va mettre au moins une deuxième ligne, hein. On va voir ça. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Janine. Janine, comment vas-tu ? Eh bien, ça va très bien. D'accord. Ben, par rapport à tout ce que j'entends, j'aurais voulu chanter un chant pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Amen. Janine de la Guadeloupe, merci. Oui, oui. Alors, je peux ? Tu peux y aller, ma sœur, avec joie. Roulons pour ça qu'a fait Jésus. Nous qu'a dit merci pour ça qu'a fait pour nous. Roulons pour ça qu'a fait Yahvé. Nous qu'a dit merci pour ça qu'a fait pour nous. Où ben nous Jésus, où ben nous Saint-Esprit, où ben nous la prière, nous qu'a dit merci. Roule, pour ça qu'a fait Jésus, nous qu'a dit merci, pour ça fait pour nous. Roule, pour ça qu'a fait Jésus, nous qu'a dit merci, pour ça fait pour nous. Ou ban nous Didasco, ou ban nous documents, ou ban nous paix de vie, nous qu'a dit merci. Roulons, pour ça qu'a fait Jésus, nous qu'a dit merci, pour ça fait pour nous. Alléluia. Les
chant, il est beaucoup plus long, mais comme je n'ai pas mes choristes, mes filles avec moi, donc je vais couper là et vous dire bon courage dans le Seigneur. Amen. Merci, Janine. D'accord. À bientôt. À bientôt, merci. Voilà, frère, c'est vraiment des actions de grâce que nous rendons ce soir au Seigneur pour son amour. Et vous savez, quand on reçoit un message qui n'est pas accepté par la majorité des chrétiens, et on a besoin d'être soutenu par le Seigneur. Et le message sur la dîme comme étant une pratique de la loi mosaïque et qu'on ne doit plus la payer a suscité beaucoup, beaucoup, mes amis, de problèmes, de dire des propos. Ce message a été comme un pavé dans la mare. Et ça nous a causé beaucoup de combats, beaucoup de problèmes. Nous avons perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de frères, beaucoup d'amis. Et Dieu les a remplacés, heureusement. Donc, il faut toujours signaler cela. Et voilà. Donc, et ce message a été vraiment l'élément déclencheur de beaucoup de choses, beaucoup de persécutions. Et il fallait tenir ferme afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Et Dieu, mes amis, a justifié cette parole, ce message, et par d'abord les conversions, les guérisons, les signes, et ce soir par l'achat sans crédit des locaux de TV Radio de Vie qui nous ont coûté 192 000 euros. Et Dieu a sorti cet argent de sa poche et l'a payé cash. On a acheté content. Donc, et puis David, on voulait, quand on avait, au début, quand on a lancé ce projet, on se disait peut-être qu'on va pouvoir faire un crédit, tout ça. Et on nous a demandé si on était membre de la Fédération protestante de France. Tout à fait. Par le banquier. Et le banquier demandait justement qu'il fallait être membre de cette fédération-là pour accéder au crédit immobilier. Compromission. Voilà. Et que ce monsieur, le banquier, s'il nous écoute ce soir, nous vous avons montré, notre Dieu vous a démontré qu'il est au-dessus de tous les banquiers. Amen. Que l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Voilà, Agé chapitre 2, verset 8. Et honnêtement, on n'a pas à se soumettre, on n'a pas à se plier devant Baal pour avoir les biens de ce monde. Frère. Au nom de Yeshua, que toute la gloire soit au Seigneur. Donc vous pouvez continuer à prêcher l'enseignement sur la dîme comme étant une pratique de la loi. Et si vous êtes sincère, Dieu soutiendra votre message, votre ministère, votre vie. Au nom de Yeshua. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre ordinateur, s'il vous plaît ? Oui, bonsoir. C'est le frère Marino. Bonsoir. Éloignez-vous de votre ordinateur. Voilà. Donc, pas toujours évident. Les gens, ils appellent, en même temps, ils écoutent leur ordinateur. Donc, il faut faire le choix entre écouter le téléphone ou voilà, l'ordinateur. Voilà. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui, je bénis l'Éternel parce qu'il est merveilleux. Je suis le frère Marino de Bruxelles. Ok. Je suis vraiment dans la joie parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est vivant. Amen. C'est un Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Mm-hmm. Donc, vraiment, je suis dans une joie tellement immense pour ce que Dieu a fait et nous a accordé finalement ces locaux-là. Et il a dit dans Ésaïe 55, au 8e verset, que « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mm-hmm. et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant que mes voix sont élevés au-dessus de vos voix. » Donc je bénis l'Éternel Dieu pour ces locaux qu'il nous a donnés, pour la signature de l'acte, parce que nous savons que le diable, il y a des gens qui murmuraient, mais notre Dieu les a confondus. Ils ont vu l'acte, il n'y a même pas le nom de frère Chora, quoi tout dedans.
Donc, que notre Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit loué. Amen. Merci. Et c'est un frère européen qui a signé. Moi et toute ma famille. Que Dieu bénisse son œuvre. Amen. Merci beaucoup. Alors, ça choque, oui, mais ça choque aussi les païens. Parce que le propriétaire, lui, il pensait qu'on faisait du commerce. Alors, je lui ai dit, il me disait, mais vous faites du commerce? Parce qu'à la base, il voulait qu'on signe le vendredi, lui. Je lui ai dit, non, le vendredi, en fait, ça va être difficile, comme il y a des programmes sur Bruxelles. Et aujourd'hui, il m'a dit, mais vous allez où, en fait? Parce que Bruxelles, vous bougez un peu partout. Et pour avoir cette somme, c'est commercial. Je lui ai dit, non, monsieur, il n'y a pas de commerce du tout. Il est étonné. Et oui, il est choqué. Il pense que nous vendons des choses pour avoir cet argent. Voilà, tout à fait. Mais ça choque forcément même les païens, qui eux, s'efforcent. C'est... Même le banquier, quand tu allais à la banque, comment il te recevait là-bas, le banquier? Très bien. Très bien, très très bien. Alors, il te prenait, vous montez quelque part? Alors, on allait dans les bureaux, hein, oui, bien sûr, on allait dans les bureaux. Et puis, non, très bien, très, très courtois. Quand on montait le relevé, quand on allait dans une autre banque pour voir, on montrait le relevé de compte et... Voilà, ça choque quoi. Ils ont vu que Jésus est capable de tout. Voilà, c'est pas la crise en ça. Christ. Dans notre royaume, il n'y a pas de crise, frère. Dieu est magnifique, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Seigneur vous bénisse. Je suis très heureuse pour ce qu'il a fait. Et je viens donc glorifier son nom. Et puis cela nous donne du courage à persévérer dans sa volonté et surtout sa crainte. Et moi, je voudrais aussi dire que personnellement, il a agi pour moi par rapport à ça, parce que j'avais beaucoup de dettes à l'époque. Et pourtant, je payais la dîme tout le temps, tout le temps. Et quand j'ai découvert ce message, je suis plutôt rentrée dans la crainte de Dieu, dans la repentance. Et j'ai écrit à mes créanciers, aux juges et tout, par rapport à ça. Et quand le Seigneur m'a dit, je vais effacer ta dette parce que tu commences à comprendre les choses. Et aujourd'hui, je vous parle aujourd'hui. Il a effacé toutes mes dettes. Je bénis son nom pour ça. Ce n'est pas pour encourager les gens à s'endetter, mais j'étais dans l'erreur et aucun pasteur ne me l'avait enseigné. Mais depuis que j'ai arrêté de payer la dîme et plutôt rentrer dans la crainte de Dieu et soutenir son œuvre, ben il a remboursé toutes mes dettes. Et je lui dis merci pour ça. Gloire à Dieu. Voilà. Ouais. Voilà, bonne continuation. Et ma prière aussi, c'est que quand il le permettra, dans mon pays d'origine, que je puisse acheter un terrain et mettre cela à disposition des personnes déshéritées, des veuves et tout cela. Amen. Donc, voilà. Oui. Bonne continuation. Oui, au revoir. Gloire à Dieu. Voilà, donc le propriétaire qui nous a vendu ces locaux est surpris parce que, voilà, donc il comprend pas. Surpris, choqué, bah, surtout que quand, je me rappelle le jour où on est venu visiter, tu lui as dit, écoutez, nous on payera cash dans un an. Je lui avais dit ça, je me rappelle même plus. Si, nous on payera dans un an, vous aurez l'argent. Mais peut-être tu t'en rappelles pas, c'est possible. Et moi, je veux dire, quand même, il est gonflé, Chora. Donc, tu l'as dit dans ton cœur, ouais, tu ne m'as pas dit ça. Il dit, un an, c'est... Et, après, et dans un an, c'est toi qui es parti signer. Et un an après, tu es parti signer. Ouh, Seigneur Dieu, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Qu'est-ce que les gens ne disent pas? Qu'est-ce que les gens ne parlent? Mais c'est terrible. Non, mais il détruit les églises, il empêche les chrétiens d'être bénis parce qu'on nous a fait croire, parce qu'ils font croire aux gens que la bénédiction égale l'argent. Eh bien voilà, en un an, Dieu prouve, mes amis, confirme sa parole, confirme ce message et que personne ne vous, n'est-ce pas, maudisse, que personne ne vous, n'est-ce pas, vous oblige à payer la dîme et, pour être béni parce que nous sommes déjà bénis en Christ. Allô, bonsoir, allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. J'appelle simplement pour pouvoir apporter un petit témoignage et puis encourager chacun d'entre nous. Mm-hmm. Je bénis seulement le Seigneur pour l'achat des locaux parce que, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, dès le début de ce message, ça a été beaucoup combattu. Nous qui sommes là depuis longtemps, on a entendu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais on voit que la main du Seigneur est avec nous, quoi. Les choses continuent, ça avance. Et je suis tellement dans la joie et je peux que remercier le Seigneur parce que ça confond en fait beaucoup de monde. Tous ceux qui critiquent, qui jugent, qui ne savent même pas que c'est le Seigneur qui est en train d'agir.
Donc vraiment, ils sont confondus par rapport à ça. Donc depuis le début, depuis longtemps, tu dénonces vraiment les choses qui se font dans les coulisses, que les pasteurs font dans les coulisses, ceux qui sont attachés à l'argent et à plein de choses. Tu es traité de tous les noms, c'est pas pour te glorifier, tu es traité de tous les noms, mais on voit que le Seigneur marche avec nous. On voit que le Seigneur est là et le Seigneur continue à agir. Je glorifie vraiment son nom, je suis dans la joie pour ça et je bénis le Seigneur et je dis que tous les frères et sœurs qui sont là, qui nous écoutent ce soir, de s'accrocher, je les invite encore à s'accrocher au Seigneur et à avancer et à soutenir l'œuvre quand c'est la main de Dieu qui est là. On voit la main de Dieu, donc il faut continuer à soutenir l'œuvre par la prière, par des conseils, par des dons, par plusieurs choses que le Seigneur nous donne, en fait, que nous puissions continuer à soutenir et à soutenir aussi les gens qui font l'œuvre avec droiture, parce qu'on en voit beaucoup qui sont là, qui emmènent les gens à la perdition. Même beaucoup de ceux qui étaient avec nous sont aujourd'hui complètement détournés de la vérité. Ils sont avec, donc, ils sont partis avec maman, avec le diable, avec maman. Oui, voilà. Je vous encourage tous vraiment à continuer à avancer avec le Seigneur et continuer à proclamer la vérité, que les gens sortent de leur erreur, que ceux qui connaissent vraiment le Seigneur, ceux qui entendent vraiment, ceux qui désirent vraiment connaître le Seigneur, suivent la vérité, la voie du Seigneur qui amène vers les cieux, quoi. Car le Seigneur revient bientôt. Donc amen. Voilà. Je vous remercie. Merci. Merci, ma sœur. Que Dieu soit béni. Au revoir. Voilà. Quelqu'un d'autre? Ouais, David, le micro est là. Alors, je vais prendre un passage, parce que pendant qu'on parlait, en fait, il y a un passage qui est venu dans mon cœur. Mm-hmm. C'est dans Actes 5, mm-hmm. au verset... je vais lire à partir du verset... Mm-hmm. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là ? Mm-hmm. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Mm-hmm. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mm-hmm. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Mm-hmm. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Mm-hmm. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis, mm-hmm. il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et depuis est réduit à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Mm-hmm. Je m'arrête là. Voilà. En fait, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des langues se lèvent pour combattre ce que Dieu est en train de faire. Mm-hmm. Mais en fait, Gamaliel, il pouvait dire qu'il y a eu des âmes qui se sont levées avec leur parti et tout ça. Et on a vu que ça s'est cassé parce que Dieu n'était pas dedans. Mm-hmm. Mais... Gamaliel dit que si cette œuvre est de Dieu, elle ne sera pas détruite, en fait. Mm-hmm. Et on voit aujourd'hui, en fait, comment le Seigneur prend soin de son œuvre, comment les choses avancent, comment la vision du Seigneur est communiquée à tous, en fait. Parce mm-hmm. qu'on voit que, voilà, c'est pas le message d'un homme, c'est vraiment le message mm-hmm. du Seigneur qui bouleverse des vies. Il y a des conversions, il y a des gens qui passent des ténèbres à la lumière. Donc, c'est vraiment l'œuvre du Seigneur. Donc, le Seigneur fait son œuvre et il continuera à faire son œuvre. Et tous ceux qui se lèvent, eh ben, ils seront confondus. Amen. Et rencontreront le Seigneur, en fait. Amen. Donc, amen. Voilà. Amen. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir toute l'équipe. Bonsoir, Chorol. Bonsoir, mes frères et sœurs. Les vaillantes guerrières de l'armée de l'Éternel. Amen, Paul. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et Chorol, c'est pas fini.
C'est pas fini, mon frère. C'est Amen. Pas fini. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Je crois que tu vas passer bientôt à la télévision nationale sur Antenne 2, je pense. Amen. Amen. Ça fait un an que le Seigneur m'a fait voir quelque chose. Et je pense qu'il y a un débat sur Antenne 2. Et puis on va aller au nom de Jésus combattre. Au nom de Jésus Christ. L'adversaire. Amen. On va casser ces flèches enflammées. Alléluia. Mon cœur est dans la joie. Amen. Félicitations. Merci Jésus, parce que là il commence à nous équiper un petit peu à la fois. Alors si nous y équipe une équipe de fous, je veux dire, ça va faire chaud, hein. Alléluia. Voilà. Merci, merci Seigneur. Franchement, mon cœur est dans la joie. Amen. Ben nous pareil, on est. Je vois sous plateau là, je vois tous les mines réjouissantes là. Il y a un cantique qui dit notre Dieu règne encore. Amen. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qui nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Alléluia. Soyez Amen. Tous encouragés, que Dieu vous garde encore. Et puis, on arrive à la fin. Jésus est là. Soyons prêts, mes frères et sœurs. Soyons prêts. Soudons-nous. Aimons-nous de plus en plus fort au nom de Jésus. Je vous embrasse. À bientôt. Courage à tout le monde. Amen. Merci, Paul. Vaillant vieillère. Merci. Amen. Wow, magnifique le Seigneur. Voilà, donc on va faire une pause et reprendre l'émission dans quelques minutes. Voilà, comme ça, cette vidéo qui fait moins d'une heure de temps va être diffusée massivement dès ce soir. Merci à l'équipe technique, afin que les frères et sœurs du monde entier glorifient le Seigneur ensemble avec nous. Voilà, donc on va prendre cette dernière personne là. Voilà, donc on est que... Bah, tout le monde est encouragé forcément parce que c'est... Beaucoup se disaient, mais ça, la dîme, ça y est, c'est fini, son ministère est cassé. Et fini. Et... Tu sais, tout à l'heure, le propriétaire, il m'a dit un truc, je viens de y repenser. Mm-hmm. Quand on signait, donc lui, en fait, il devient... donc, il a aussi de l'eau, là. D'accord. Et il m'a dit, le propriétaire. Le propriétaire, oui. D'accord. Et il m'a dit, mais vous voulez pas un autre, du coup? Oui, il commence à avoir la foi, exactement. Il a la foi, mais là, là. Attends, non. Oui, bah, bien sûr, on va prendre ce qui reste. Pourquoi ? Parce que il nous faut des chambres pour les étudiants qui viendront du monde entier. Donc, après la sortie de la Bible, on va prendre d'autres lots, des locaux pour les chambres. On va transformer en chambre et parce que des frères et sœurs viennent du monde entier, donc les étudiants notamment, et il faut toute une organisation pour pouvoir bien les équiper. On a dit chaud. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Sachora. Bonsoir à toute l'équipe qui se trouve là. Bonsoir aux frères et aux sœurs. Bonsoir. C'est Laurence. Je voulais vraiment intervenir. Quelle joie. C'est vraiment un grand bonheur d'avoir enfin ces locaux. C'est vraiment... On est heureux. On est heureux. Et j'espère que les églises écoutent. Parce que lorsque je faisais partie d'une église, on voulait nous faire cotiser des parts en parts. Mais il y en a qui ont fait ça, hein. Il y en a qui ont fait ça en moi, hein. Des parts sociales, voilà, j'ai même fait, non mais vraiment je me suis repentie devant Dieu, j'ai même copié pour que chacun sache combien de parts sociales ils allaient avoir. Dieu n'a pas permis et je le loue. Non, vraiment, Dieu pourvoit son œuvre. Amen. Ça, vraiment, que le peuple de Dieu voit ça. Je vais envoyer ça dès que la vidéo sera sur les ressources, là. Moi, j'envoie ça à tous les pasteurs de Chalon. Ils verront un peu. Amen. Ils sont obligés de voir ça. Amen. En tout cas, vraiment, soyez encouragés. Et ça nous encourage aussi. Ça nous encourage aussi à vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, continuez, merci. On est là avec vous. Amen, merci, ma sœur Laurence, merci.
Au revoir. Au revoir. Bah, c'est vrai que c'est vraiment encourageant, hein, tout ce que Dieu fait. Et, parce que je vous assure, quand le message sur la dîme a commencé, j'ai perdu presque 98% des gens que j'ai formés à cause de ce message. C'était la raison principale de départ, parce que beaucoup se disaient, comment allons-nous faire pour manger? Comment allons-nous faire pour boire? Donc des pasteurs même avec lesquels j'ai collaboré il y a des années de cela ont dit, non, ça y est, il a perdu la vision, il s'est égaré, c'est fini, il est devenu antéchrist, tout ça, et il ne veut pas que les gens soient bénis. Et tous ces pasteurs, mes amis, la plupart n'ont même pas, je dirais même tous ceux que je connais, et n'ont pas pu, frères et sœurs, en un an, à avoir des dons de la part du Seigneur pour acheter comptant, hein, des endroits, pas pour forcément les églises, mais pour faire l'œuvre. Vous savez, ce qui, j'ai à cœur aussi cette vision pour les églises dans les maisons par rapport à la persécution qui arrive, mais croyez-moi, les Bibles que vous avez entre vos mains sont imprimées dans les bâtiments. Les maisons sont aussi des bâtiments. Donc nous avons besoin de structures qui nous permettent de travailler correctement pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Donc ces locaux, je l'insiste vraiment, j'insiste là-dessus, ce n'est pas pour une église locale, c'est pour, mes amis, TV Radio de Vie, pour le Didasco, notre centre de formation, afin que les frères et sœurs se forment, parce qu'on donne cette formation gratuitement, hein, tous les mois, des gens qui s'inscrivent, qui viennent du monde entier, des États-Unis, Canada, Angleterre, partout, hein, de partout pour se former. Donc voilà, et puis il y aura des chambres, hein, plus tard pour vous accueillir, comme ça vous n'aurez plus à aller dépenser de l'argent dans les hôtels, des chambres où vous serez hébergés gratuitement, frères et sœurs. Voilà, donc c'est cette vision que le Seigneur nous a donnée pour la mission. Voilà, pour amener une autre vision sur la mission, sur l'œuvre du Seigneur, afin que l'Europe soit touchée. Voyez, c'est pour cela que les dons que vous donnez, les soutiens financiers et matériels que vous apportez dans cette vision sont utilisés pour aider à l'avancement de l'œuvre du Seigneur, aussi bien en France où nous sommes basés, également dans d'autres pays. Voilà. Donc vous savez qu'il y a 12 ans à peu près, nous avons acheté des locaux. Il y a 12 ans, nous avons acheté des locaux à Courcouronnes, donc pas à Évry où nous sommes, mais à Courcouronnes, et dans lequel on a pu installer notre studio d'enregistrement où les gens enregistrent gratuitement leur chant. Et on a aussi mis une épicerie solidaire où il y a près de 150 familles qui viennent se nourrir gratuitement. Vous voyez ? Donc nous avons pu acheter avec le pain quotidien, les frères et sœurs se sont mobilisés et on a pu acheter deux camionnettes pour aller prendre des denrées alimentaires dans plusieurs magasins ici en Île-de-France et où nous sommes soutenus, hein, donc gratuitement. Donc voilà comment on s'organise. Et pour votre information, nous allons vous montrer en fait d'ici quelques jours le nouveau minibus de TV de Vie qu'on nous a offert, hein, qui est en train d'être préparé et on va le récupérer en province, dans l'une des provinces ici en France. Et voilà, c'est avec ce minibus que nous allons maintenant commencer à sillonner ici et là. On va aussi l'utiliser pour aller vous chercher à la gare le 19 décembre prochain, donc lors de la réunion de la nuit d'action de grâce où on va distribuer à chacun de vous la Bible de Jésus-Christ. Voilà, frères et sœurs, en tout cas, que Dieu soit béni, continue à prier pour nous, à nous soutenir par vos conseils, vos dons, tous les moyens que Dieu vous donne pour pouvoir faire avancer l'œuvre que nous a mis à cœur. Voilà. Donc vous voyez que c'est l'équipe qui avance, ce n'est pas un homme qui est glorifié, c'est Christ qui est glorifié. Et voilà. Donc que tous les pasteurs qui aiment le Seigneur, qui veulent prendre position pour la vérité, eh ben, soient encouragés par ce témoignage, par cette vidéo, et que tous les chrétiens s'unissent pour faire avancer le royaume du Père, au nom de Yeshua. Amen. Donc on se retrouve dans 5 minutes. À tout à l'heure.